Léo, dans notre rubrique les news Yassika. Salut mes Bayanga, salut la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi Mama Kimia Sarah, la queen de la sap en tout cas. Désolé pour ma voix, je vais pas trop parler aujourd'hui. Je vous demande juste, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, il y a de l'espace pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai amené ces images où nous allons découvrir le mariage de notre frère El George. Il est là avec le pasteur Marcelo en mode interview. Je vais vous mettre aussi la vidéo en question. Et le mariage de notre frère Christian Mbouyi et la sœur Gloria. Voilà, je vais vous laisser vraiment les images vu que ma voix n'est pas bonne. Donc, je vais vous laisser l'intégralité des images et tout, vous allez savourer. Là, c'est notre frère Georges que vous êtes en train de voir et tout. Après, ce sera notre frère Christian. Je vous avais déjà parlé de notre frère Christian qui accompagne aussi la sœur Déborah Lukalu. Lui aussi, il est en mode carrière solo. Voilà, je vais revenir peut-être avec les images après ces images à lui. Après, mais pour aujourd'hui, savourez d'abord quelques images que je vous ai préparées. Voilà. Heureux mariage au nouveau couple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Soyez heureux. Aimez-vous dans la vérité. Very, very, very. Vérité. Bisous. On se revoit. À la prochaine. Bonne année, oh. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Dès que ma voix sera bonne, je vais revenir avec la vidéo dédicace. Bisous. Shalom chez vous. Je reçois dans cette émission autour de la grande conférence internationale Équilibre un ami, un frère, un fils, El George. Welcome. Merci beaucoup, papa. Alors, moi, je vais aller tout de suite, papa. Parce que mes questions seront vraiment personnelles parce que c'est vraiment de moi qu'il s'agit. Et je pense qu'à travers les questions que je vais vous poser, à travers vos réponses, ça va sans doute aider quelqu'un qui est en train de passer maintenant par ce par quoi je suis passé et sûrement par ce par quoi je suis encore en train de passer. Et moi, je me souviens qu'au début de ma carrière, parce que j'aimerais vraiment parler en tant qu'artiste, au début de ma carrière, j'étais un artiste très frustré. Frustré parce que je n'arrivais pas à gérer la mutation. Parce que dans la vie de chaque artiste chrétien, il y a comme une mutation qu'il connaît. Ce processus, il part de l'époque où il est chantre à la chorale. Et peu à peu, il commence à s'exposer. L'exposition va grandissante. C'est d'abord l'assemblée qui le découvre. Et après, ben voilà, il découvre son appel en tant que chantre destiné à chanter pour le corps du Christ, pour la bénédiction du corps du Christ, ensuite pour les nations. Et cette période-là, j'ai eu à connaître beaucoup de frustrations, beaucoup de blessures intérieures, parce que c'est une période que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a ta vie qui change au fil du temps. Il y a les anciens amis qui ne te reconnaissent plus. Il y a un moment où voilà, tu fais tellement face aux critiques que tu finis même par avoir des blessures intérieures. Un moment où voilà, ton WhatsApp, tu recevais à peine 50 messages, mais là c'est 500 messages du coup. Et j'ai vraiment eu du mal à gérer cette période-là. Ça m'a beaucoup fait souffrir, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Comment arriver à maintenir l'équilibre pendant ce processus-là, de l'époque où tu quittes de l'anonymat vers une exposition qui va sans cesse grandissante? Tout d'abord, il faut considérer que c'est normal. C'est normal de ne pas être compris hein, lorsqu'on devient une autre personne. Ça, c'est un premier pas pour ne pas être blessé. Je donne l'exemple même du fœtus dans le ventre de sa mère. Il passe par des transformations extraordinaires jusqu'à ce qu'il va naître. Et quand il va naître, il va manquer à la matrice. Ce sera un départ, quoi. Il doit passer une autre phase, quitter la vie aquatique, être dans la nouvelle vie aérienne. Et ça blesse. Mais il doit continuer son évolution jusqu'à devenir un père, se marier et fonder une famille. Alors s'il reste attaché au placenta et tout le reste, il va mourir. Et les amis d'enfance, c'est comme le placenta, c'est comme la matrice et tout. Mais comme on évolue un jour, on devient quelqu'un d'autre qui étonne. Le mal, c'est de changer en mal. Si tu te détériores, tu deviens orgueilleux, pécheur, ça c'est mal. Mais si c'est une évolution vers ta destinée et que les gens ne la comprennent pas, c'est normal. Même Jésus n'était pas compris. Jésus est mort pourquoi? Jésus est mort parce qu'il n'était pas compris.
c'est normal. De deux, comment vivre les évolutions de sa vie? Il faudrait les vivre avec Dieu, les vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de notre destinée. Et c'est Dieu qui peut t'aider à vivre ta nouvelle vie, à l'imposer, à l'affirmer. Et des fois, même si personne ne la comprend, si tu es sûr que tu marches avec Dieu, tu continues ta route. Hein. Nous ne vivons pas notre vie sur base de la démocratie et de la vie des hommes. C'est sur base de la théocratie. Dieu me parle, je fais. Si ça bénit certains, amen. Si d'autres ne comprennent pas, ils comprendront un jour. Jésus-Christ était souvent mal compris alors que c'est lui qui est venu donner la vie et la lumière au monde. Merci beaucoup, papa. Tu m'aimes toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve que Zamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. Même quand je me suis révélé, mais comment il fait pour m'aimer? À celui, à ce. Yeah! L'enfant, hey. Je n'en reviens pas, tu m'aimes toujours en toi. À ce mal amour, où il est? Plus fort. Oh, Seigneur, entends-tu le cri de mon cœur?
de mon cœur, ma prière que je lance. Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon chant, aide-moi à garder la foi. Prenez ma flamme, et même si les hommes m'acclament, je me chanterai ce genre, le genre de. Voilà, fini avec le frère El Georges et nous passons à notre frère Christian Mboui et sa femme Gloria, sœur Gloria, elle chante aussi. Merci.
WhatsApp.